Bah, nous sommes chez mon chauffeur et aujourd'hui nous allons filmer l'entreprise et voir comment ça se passe sur l'environnement. Donc là c'est le côté promenade fleurie avec les différentes plantes que vous pouvez voir près. Sur le boulevard de Strasbourg, l'étalage des fleurs avec les principales offres de cette boutique, donc principale touriste de ce boulevard, avec toutes sortes de plantes, dont certaines atypiques. Donc de toutes catégories. Là nous allons entrer dans l'espace place des roses. Vous allez découvrir toutes sortes de roses. Pas trop au bûcher les vases, non? Et au fond de la boutique, allez, c'est parti. Quelques avec qui je suis, quelques c'est parti. Sarnia. Donc poterie. Allez. Le chemin des orchidées. Ça rappelle très certainement l'exposition des orchidées à la ferme du vieux pays. Voilà, ben bonjour, vous êtes chez Monsoflower Aulnay-sous-Bois. Voilà, nous sommes là depuis décembre 2005. Voilà, ben c'est une boutique où on reçoit un peu tout le monde, on fait toutes les présentations, que ce soit mariage, enterrement. La clientèle ben, vient un peu de partout, hein, pas que d'Aulnay. On travaille avec des sociétés, des particuliers, un peu tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes hors d'Aulnay-sous-Bois qui viennent s'approvisionner chez vous? Oui, bien sûr, beaucoup. Donc vous avez une clientèle fidélisée, si je puis dire? Oui. Qui vient spécialement chez vous parce que vous offrez peut-être les meilleurs prix ou la meilleure catégorie de ben, plantes. Il y a déjà beaucoup l'accueil, je pense. L'accueil? Ouais, très content de ce qu'on fait souvent. Et les gens ben, reviennent souvent nous voir. Est-ce que vous constatez une progression au niveau de la clientèle depuis 2005-2006 que vous êtes ici? Chaque année, ouais, un peu plus. Donc vous devenez, je dirais, le fleuriste... Je dirais le plus pris, si je puis dire, au boulevard du Strasbourg. Ah, c'est-à-dire que vous avez pour l'instant, boulevard de Strasbourg, oui. Et du bouche à oreille. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez un mot à dire à nos lecteurs par rapport à votre boutique, à vos activités? Venez nombreux nous voir. Vous ne serez pas déçus. Puis ben voilà, on fait un peu de tout. Voilà. On est à la demande et l'attente du client. Et, voilà. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie.